Salut à tous les amis, bienvenue à Miami pour le nouveau Grand Prix, toujours en saison Copa avec Fab chez Aston Martin. Salut Fab et salut à tous. Salut Mike et salut à tous. Après le déboire... Eh oui, bas coup de merde. On verra pas à force d'améliorer le châssis aussi, hein. Que ça ira mieux après. Mais c'est parti. Merde. T'as eu un avertissement. Ouais, j'ai un avertissement. Ouais, c'est tout, mais ça va. T'as pas eu par problème du temps, hein. Allez, on fait dans le deuxième tour. Pour un petit pied, d'avoir au frappé. Tant mieux quand même avec une 32-184. Putain, pourtant c'est pas si mal monté en fait. J'ai fait des fautes, mais. Bah, c'est une, c'est pas mal. Ah, c'est chaud quand même. Allez, c'est parti. Allez, Magnum. Oh non, j'ai pété la voiture. Oh, je passe de justesse. Oh, putain, c'est un truc de fou. Je passe de justesse.
pas, je ne vois pas trop. Bienvenue dans la ville magique. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur l'autodrome international de Miami pour le Grand Prix. Ce tracé se déploie autour du Hard Rock Stadium, un complexe sportif et de divertissement polyvalent qui a accueilli les Super Bowls, les Baseball World Series, de nombreux concerts de rock et maintenant la Formule 1. Situé sur la côte sud-est de la Floride, les 19 virages et 5,4 km du tracé de l'autodrome international de Miami ont été pensés pour permettre aux pilotes de se suivre et de s'affronter au coude à coude sans jamais compromettre pour autant leur sécurité. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Cheng complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Hamilton, Oscar Piastri, Norris, Hülkenberg, Perez, Magnussen, Gasly, Tsunoda, Sainz, Ocon, Leclerc, Sargeant, Russell, Bottas, De Vries, Albon, Joe et Iceman. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour monter le volume et rendez-vous au premier virage. C'est une nouvelle course qui débute et je vais avoir le plaisir de la commenter aux côtés de Jacques Villeneuve. Jacques, les pilotes ont une journée éprouvante qui les attend. Qu'allez-vous observer quand nous les verrons aborder le premier virage ? Le départ d'une course est toujours la partie la plus éprouvante pour les nerfs. On espère toujours que tout le monde réussira un départ propre. C'est probablement la partie la plus dangereuse d'une course. Autant de pilotes dans un si petit espace. Le fait qu'il n'y ait pas plus d'accidents prouve bien le talent des pilotes. C'est bon, ça part. Fais ta stratégie toi-même. Le tour de formation a commencé sur le circuit de Miami et les pilotes s'apprêtent à prendre le départ avec l'envie d'impressionner les milliers de fans qui ont fait le déplacement. Cette nouvelle manche du championnat. L'impatience est palpable et tout le monde ici ne souhaite qu'une chose, un grand prix inoubliable. Ouais, mais pas proposer de stratégie de cette bande de cons. Les monoplaces viennent se débrouiller avec ça, ouais. Quelques instants du départ de ce grand prix. Espérons que c'est vrai que j'ai utilisé tous les freins pneus aussi, c'est pour ça. Je vais plus en avoir de rouge. Ils doivent être tous abîmés. On va faire avec.
Vas-y, putain de Pérez, tu vois bien que je suis là, connard, là. Pérez, Hamilton, pas du tout. Un petit dans la merde. On part très de copain. Ah, t'es content, t'es passé, connard. Avec notre coéquipière, 3,8 secondes. Sa voiture a de nouvelles gommes médium. Il est à la quatrième place. Le dernier tour a donné 1,40,4. DRS autorisé dans ce tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Un flux versal, dépasse-le. La distance qui nous sépare de notre coéquipière est de 2,9 secondes.
Drapeau jaune. Fais attention, il y a eu un accident dans la partie suivante du circuit. Pas de dépassement sous régime de drapeau jaune. Occupe la 10e place, ce serait bien de marquer des points. Attention, l'adhérence risque de diminuer dans pas longtemps. T'es combien là?
suis 7ème, je partais 20ème. Ouais, t'en mets bien. C'est bien, c'est bien. Il doit entrer plus lentement dans les virages, on risque de prendre une pénalité. Mais vas-y, Verstappen! Pas ça, enculé! Sérieux! Interdit de dépasser, réduit ta vitesse. Bah, laisse la place et tu m'en veux, non? Ralentis, ton delta est négatif. Ce qui signifie que tu roules trop vite. Ralentis. T'as pas oublié ton aileron comme moi, t'as bien fait ta gueule. Ah, les gars, les fois, ils sont toujours aussi débiles, hein, sans déconner. Quoi. Et forcer le passage ralenti, connard. Ah c'est bon, t'as ton delta de merde là, j'appuie pas sur le bouton, arrête un peu. Sans déconner, vous mettez freine carrément. C'est dans le cul ton delta, moi, tu vas voir. Arrête, je suis en train de freiner, le delta il passe en rouge, quoi, arrêtez, n'importe quoi. Faire foutre un jeu de merde. Putain. Verstappen de mes couilles, Hamilton de mes couilles, voilà, j'ai que ça à dire. Et il voit déjà que je suis là, l'autre il force le passage là. Ils peuvent pas ralentir les IA quand ils voient comme ça là, au lieu de forcer comme des narvalos là. De connard là. C'est pas encore ça l'IA, hein. Enfin, franchement faut qu'ils fassent quelque chose les IA de merde là. Sans déconner. C'est plutôt correct jusqu'ici, ça y est, ça commence à déconner. Arrêtez. Putain, je suis encore derrière l'autre compte Sargent qui est encore 9ème, qui est encore 8ème. Sérieux. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, j'aurais dû rentrer. Putain. Ah, ça me dégoûte, sérieux. Bon coup, j'ai reculé Verstappen, il est derrière moi. Moi même, il est où Verstappen? Ah ouais, il est dernier. Je vais pour sa gueule. Je parle bien sûr dans le jeu. Hein. C'est argent, okay. Mais putain. La voiture de sécurité. Chaque fois que je suis derrière lui, c'est un truc de ouf. Pourquoi ils m'ont pas proposé en rivalité? Respecte l'indicateur delta jusqu'à ce que la voiture de sécurité soit dans la voie des stands. Voici l'écart avec notre coéquipière. 12,0 secondes.
Tu vois bien que je suis là, là, putain. L'artisement, c'est ça, c'est lui qui me rentre dedans. Oh là là. Putain, mais c'est quoi cet entraînement de merde que je fais, sérieux. On est descendu d'une place. DRS a été autorisé. DRS disponible. Dans ce tour. Vas-y, mets les gaz. Super boulot de ta part et des mécaniciens. C'était splendide.
Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. Avec notre coéquipière, 17,2 secondes. Verstappen est devant toi. Ok, ton retard sur la voiture de devant. 4,3 secondes. Il chausse des pneus tendres usés. Il chausse des gommes usées depuis 6 tours. Le dernier tour a donné 1 minute 36,2.
en retard sur la voiture de devant. 2,6 secondes. La distance qui nous sépare de notre coéquipière est de 12,5 secondes. Dernier tour à mener 35,6. Attention, attention. Ah merde, trop vite. Ah putain. Quelle erreur. Quelle erreur, Fab, putain, c'est pas des erreurs aussi débiles. Voici l'écart avec notre coéquipière. 6,8 secondes.
troisième, tu es à la 15e place. Ocon est devant toi. Il est à moins d'une seconde. Il chausse des pneus tendres usés. Tu précèdes la voiture de derrière de 2,4 secondes. Il chausse des pneus tendres usés. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ses gommes. Plus que 10 tours restants. Pilote devant. Pilote derrière. Verstappen qui abandonne. Ouais, magnifique. Je l'ai vu après quand il me demande qu'il me le dise. Écart avec la voiture qui te précède. 2,7 secondes. Il m'a mis après le message. Putain, je suis 9ème, Fab, je pars 20ème. C'est bien, c'est bien. Continue, tu crois qu'ils vont s'arrêter parce que moi je m'arrête plus hein, là. T'es avec quoi comme ton nom? Je suis en médium mais normalement je dois aller jusqu'au bout. Ben ouais, ils vont s'arrêter là, ça y est, là, ça continue à s'arrêter là. Moi je suis derrière l'autre con sergent qui est deuxième encore. Je suis désolé. Je pense qu'il va aller changer ses pneus bientôt. Je suis fan, ce qui est derrière moi, lui aussi, il doit changer ses pneus, c'est pour ça que je demandais tout à l'heure. Qui a fait meilleur tour, hein, c'est toi qui t'as dit? Non. Il y a un tour meilleur tour, mais j'ai pas envie de le dire. Sergent. Boah, mais c'est un truc doux ce pilote. On va aller au stand de toute façon. J'ai demandé tout à l'heure pour celui qui était devant moi. Il va y aller là. S'il va pas, il y a un problème. Ouais, ça doit tenir, je les gère quand même un peu. Piastri est derrière toi, l'écart de moins d'une seconde. Sa voiture a de nouvelles gommes tendres. Le
dernier tour à donner, 1 minute 49,5. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. L'écart avec la voiture qui te précède est de... Tim Kenberg qui est premier. Et ça revend de deuxième, une autre ville. Et je vais voir le sang, le sujet. C'est un sergent de premier que... Quoi, s'il rentre, tu gagnes? Bah oui, mais si les deux devant moi ils rentrent, je gagne. Mais ils rentrent pas, pas normal. Ça. Ils ont 16, j'en suis sûr que Sargent c'est pareil, ils ont. Ça fait 16 tours qu'ils roulent avec leur soft toujours, faut arrêter. Abuser. La distance qui nous sépare de notre coéquipière est de 23. Ah, par contre, 5 tu es au centre derrière. Parce que, ah non, il est toujours là, 5. Ils vont finir la course avec des coups comme ça. Oui, n'importe quoi. Ça va plus tard possible. Ah putain, j'ai perdu 2 places en 2 secondes, putain. Les bruits qui sont pas normaux encore. Quoi, qu'est-ce qu'il y a eu? Non, mais ils sont même pas rentrés. Il roule avec des pneus usés, je sais pas. Bah, Sainz, il vient de ressortir, là. Sainz, il vient de ressortir devant moi. Non, ouais, mais je parle de Sargent et l'autre devant, là. Les deux premiers. Puis, moi, j'ai parlé d'un moment qui m'ont dépassé, là. Sérieux, je suis descendu cinquième. Ils sont juste là. Je vois que les pneus sont usés, je les rattrape assez facilement. Mais ils vont finir la course comme ça, ou quoi? Putain, casse les bonbons, là. Les trucs qui sont pas normales, hein, sans déconner, faut arrêter. Hein. Il nous reste 5 tours de carburant. Ah, quand même. Il rentre même non. Ah. Et quand je vais faire les deux places, ça va être le premier.
C'est qui maintenant qui est premier? C'est Piastri, puis deuxième Hamilton. C'est un petit peu plus léger. Ok, c'est Jeff. Il faut absolument que tu arrêtes de couper les virages. Si tu continues, les commissaires vont nous infliger une pénalité. Je que j'ai perdu le contrôle à un moment. Lag de merde. Putain, ouais, on a blindé un des lags. Ils sont encore stables, leur fermeur ou quoi? Oh! Pas grand chose de lag, mais c'est un peu chiant. Je vais essayer de garder ma troisième place. Ah ouais, Piastri qui abandonne. Oh putain, mais c'est pas le même devant toi, le drapeau jaune est un peu plus loin. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Sainz qui abandonne. Ouais, c'est le Piastri qui vient d'abandonner. Putain, mais ils ressortent tous... Ils vont tous au stand. Alors qu'il reste un tour. Et je suis premier. Mais troisième. Ah mais j'ai trois. J'ai 3 secondes de PNA, putain. Oh mais j'ai 6 secondes d'avance sur le quatrième, come on. Allez, il faut que tu gardes tes 3 secondes là. Come on Mike. Tu vas gagner Fab. Bah oui, je vais gagner. Allez, allez. C'est la victoire, allez. Allez putain, fais péter le champagne, enfoiré de merde là. Allez, allez. Pour finir. Bah j'ai 8 secondes d'avance, c'est bon. Bien joué Fabinho. Putain, mais j'ai eu vraiment de la chance avec. On va faire 1 et 3. J'ai 3 secondes, je les ai, putain. J'ai ton 20ème. Allez vas-y, on va voir toi, c'est toi qui l'as dit. 20ème, 3ème. Come on. Dernier virage. Number one. Bien joué Fab. Bien joué Fab. 2023, bien joué Fabinho. Yes, merci. Bien joué pour ton podium aussi toi. Allez, allez, j'espère que je l'ai. Il y a 5 secondes. Je passe la ligne. Aston Martin. Et... combien? Troisième, putain. Putain, je m'y attendais pas moi non plus à gagner. Waouh. Putain. J'ai eu un trophée connexion réussie. Ouais, moi aussi. Oh là là, ma plus belle course, hein. 20ème, 3ème. Putain, 1 et 3 on fait. Comment pensez-vous qu'elle a réussi à signer un tel résultat? Ah, moi, c'est comme une victoire hein, pour moi. 20ème, 3ème quoi. Ah, mais il y a eu un pet hein, parce que j'ai dépassé tout le monde dans l'avant-dernier. Je sais pas ce qu'il y a eu là. C'est au début, à mon avis, parce qu'il y a Piastri qui a abandonné. Il a dû rentrer avec. Ils ont dû se battre avec Hamilton et puis sans rentrer dedans. Waouh. Bien joué, Fab, les deux instants sur le podium. Putain. Moi, ça, verte. Magnifique, ça. Bien joué, Fab. Bien joué, Fab. Enfin, j'aurais pu la gagner si j'avais fait des belles pôles. Mais... enfin, j'aurais pu jouer la victoire, quoi. Mais voilà, les amis, on va se quitter ici après un magnifique Grand Prix qui du cru incroyable. Et on première se retrouve de notre équipe. Et je fais podium en partant 20ème, on se retrouve à Imola pour le prochain. Ciao ciao. Ciao.